Kerlouan, dans le Nord Finistère, les frères Abasque sont à la fois surfeurs et écolos. À eux deux, ils ont créé le concept « une balade égale un déchet ». L'idée est d'inciter tout le monde à ramasser les ordures qui traînent sur la plage, au moins une par personne, à chaque promenade en bord de mer. Ben voilà, ben, c'est ça qui me désole. On a des paysages magnifiques et on retrouve en permanence des bouts de plastique, des déchets. La ventoline, une seringue, tout n'importe quoi. Et on voit qu'il y a des gens qui sont concernés, qui ramassent ces morceaux sur la plage et qui les stockent ici parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Mais on peut plus se promener sur une plage nulle part dans le monde sans voir un déchet qui traîne quelque part. Je me souviens que moi au départ, nous, on nous parlait de choc pétrolier. Pour nous, le choc pétrolier, c'était la Mococadis, quoi. C'était ça, le vrai choc. Pour nous, le choc du pétrole, c'était ça. Donc et après, c'est là aussi qu'on se disait ça, c'est qu'au Pays Pagan, à Kerlouan, du coup, on a du pétrole, mais on a aussi des idées. Et c'est aussi là qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, contre ce qui arrive sur nos côtes. Et à s'occuper un peu plus, on va dire, sérieusement de l'environnement. Ah, ça, c'est des trucs de la tempête qui tenaient les ganivelles. Oh la vache. C'est une clôture, hein. La récolte a été bonne? Comme tu peux le voir, le Trichou Surfteam m'avait fait un nettoyage de plage il y a à peine un mois. Ils avaient ramassé déjà beaucoup de déchets. On repasse, la mer nous en amène en permanence, quoi. La fierté du gars. Parfait. En phase avec son temps, une balade égale un déchet joue de la mode du selfie, qui consiste à prendre une photo pour la poster sur son réseau social. Depuis, la communauté Facebook des internautes s'est développée tranquillement. Pas de recherche du buzz, juste un message qui se propage. Le principe du groupe Facebook, c'est d'avoir un maximum d'adhérents avec un fil d'actualité dans lequel on poste des informations, avec par exemple le fameux emballage Raider trouvé sur la plage. Donc bien que Raider a disparu depuis 91 et qu'on retrouve aujourd'hui en 2014 encore dans nos dunes, montre un petit peu la durabilité du problème et inquiète dans le sens où on sait que ces déchets peuvent durer jusqu'à 1000 ans. Alors, quand ce type de démarche citoyenne commence à surfer sur la toile, on peut commencer à rêver et se dire que les deux frères du Pays Pagan continueront à convaincre de très nombreux adeptes. Comme quoi une idée toute simple peut contribuer à changer le monde, au moins à son niveau.